Je ne peux pas rester avec seule. Dans la journée, oui. Le soir, c'est un petit peu. Voilà. Nous avions besoin avec maman d'une présence. En fait, elle était beaucoup affaiblie et on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus rester toute seule. Ernestie connecte les proches aidants s'occupant d'un de leurs parents avec des étudiants en école de médecine ou paramédecine lorsqu'une présence de nuit devient nécessaire. Celui-ci se rend au domicile de votre parent, non pas pour réaliser des actes de soins ou faire du ménage, mais bien pour assurer une présence rassurante et stimulante, vous apportant ainsi sérénité et tranquillité d'esprit. Bah Martine, c'est la première expérience que j'ai faite au niveau de l'accompagnement. Bah vraiment, on a des conversations, c'est pas juste de l'accompagnement pour accompagner en fait. Je vais mieux, je trouve. C'est parce qu'elle vient, hein. Ça va mieux. Moi, j'étais les soeurs, oui. On parle de tout ensemble. Et puis, moi, je trouve que c'est normal. Déjà, moi, ce qui m'a emballée tout de suite, c'est le fait que ce soit du personnel de santé, des professionnels, même en formation, c'est parfait. Notre ambition est de faire du maintien à domicile la solution la plus répandue et que l'accompagnement de nuit ne pose plus jamais problème. Oui, je le recommanderais. Comme pour la plupart des étudiants, on a besoin d'une rémunération à côté. C'est quand même pas du tout quelque chose à côté de la plaque par rapport à nos études. C'est quand même dans notre tranche d'activité, on va dire. Outre la part financière, ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte une expérience. Ben, j'ai plus peur. La maison de retraite n'est pas l'unique solution. Pensez à Ernestie pour permettre à vos proches de ne plus rester seuls quand ils se sentent vulnérables.